as le code? Comment? Est-ce que tu as le code? Ah ah, 5 euros pour les codes. 96. Bim! Super! Voilà, bingo. Comme neuf! Et maintenant. J'ai encore gagné, truc de f. Voilà, il ouais, faudra appeler la maison, hein, savoir ce qui se passe. Comment tu fais avec autant de. De bordel? T'arrives à voir? Alors, tu sais quoi? Le matin, c'est génial, parce que quand t'as le soleil de face, ah bah, ça, et fait, bah, ça te protège. Et le soir? Ouais, et en fait, c'est mieux parce que le paysage, je le regarde là-dessus. Mais que tu. Je sais pas si c'est mieux, accessoirement des fois, bon, tu regardes la vidéo. Oh, c'est bon, tiens, je vais passer là-bas, tu vois. Au moins, tu peux être sûr que tout est capturé. Ah, bah là, j'ai ce qu'il faut. Hein. Y a pas de ça, c'est de super pour les assurances. Hein. Partie 14e ce matin, j'imagine qu'Amaury a dû sérieusement se faire violence pour m'attendre. Mais au kilomètre 1.1, il est bien là, sur ma gauche, en embuscade dans les buissons. De mon côté, je suis également frustré par mon expérience du camion balai. Alors j'essaie de mettre un peu de rythme, mais cela s'avère vite impossible. La brume, la poussière rendent la piste quasiment illisible.
problème de tout ça, c'est que ça devrait être des bandes faciles. Doubler devient une véritable mission suicide. Repérer lorsque la poussière retombe légèrement et mettre du très gros gaz en espérant réussir la manœuvre. Dans ces conditions, tout le monde souffre, y compris les leaders. Heureusement, le sable et les dunes font leur apparition, synonyme de délivrance. Enfin, pour la poussière, parce que pour le reste... Je ne me moque pas, hein. C'est valable pour moi aussi. Et t'es la chercher trop haut? Ouais. Merde. Ça va? Ouais, ça va, fait chier, il a pété. Ah ouais, elle était belle celle-là. C'est vrai? Elle était lente. Elle était lente, mais la moto elle est montée en l'air. Ah, fais chier! Non, on va lever, on va lever. Tu repars. Attends. Wow. Putain, la poussière au début! Ah non, mais moi, il fallait que je laisse 2 km dans les shots. C'est pas possible. Là, quand on a doublé les mecs, j'étais juste derrière toi. T'es rentré dans le shot, j'ai essayé de prendre un repère, 2 km pour pouvoir. Moi, j'ai attendu le sable! C'est marrant, hein. Après autant de bornes, tu penses maîtriser le sable, jusqu'au moment où une dune t'avale littéralement la roue avant. Les dunes mauritaniennes sont moins hautes que celles des ergues traversées au Maroc, mais plus imprévisibles et plus difficiles à lire. Dans un décor incroyable, nous relançons la machine.
jusqu'à tomber sur nos premiers galériens. Le Suédois Daniel Corell a visiblement pris sa tour de navigation en plein visage. Ok, show me. You good? Ah. I lost all the tool pack. Ah oui. Il y a la vis du pontet qui est cassée. Ah, elle est cassée dedans. Ouais. C'est pas dévissé quoi. Faudra retrouver une grande vis avec un écrou, c'est pour passer à travers. Mais... Faute de solution sérieuse, nous reprenons la piste. Non sans s'être retourné. Encore quelques dunes et le premier CP se présente au kilomètre 153. Bien le bonjour. There you go. Allez. Le cours normal des choses semble donc être revenu. On roule pour de vrai, pour gagner un peu de temps lorsque nous aurons à dépanner quelqu'un d'autre. Sauf que le doigt de Dieu va en décider autrement. Kilomètre 159, Amaury vient de s'arrêter, net, devant moi. Curieux, étrange. Elle a coupé. Bien le contact qui est resté mis. J'ai débranché les fusibles. Quelques secondes, le bouton qui a tout démarré, au bout de quelques secondes, le contact qui coupe, tu sais. Ouais. Là, le contact qui est resté allumé avec le voyant EPI. C'est reparti. Ouais. Oui, c'est reparti. Je me refais au canal. Bah, en fait, non. Elle pisse là. Raccordeur change. Non, c'est le joint. Ah. Ok, qui reste mis, putain. J'ai pas trop moufeté pendant l'opération. J'ai senti que c'était pas le moment. J'ai juste tenté un petit et rassurant. C'est pour faire tourner la pompe à essence en direct. Ouais. Faire ça. Ça va consommer à mort, mais ça va aller à la... Là, ça commençait à puer. Quand Momo jetait sa selle, Momo pas content du tout, pas content qu'on lui résiste. D'autant que le chrono défilait et que la fin de la caravane était en train de nous passer sous les yeux.
jusqu'à ce que Amaury me dise. Vas-y, vas-y, roule. Je sais pas qui je vais aider maintenant, techniquement. Peut-être avec un peu de morale ou de l'eau, éventuellement. J'y vais alors. Je crois que ça voulait dire oui, casse-toi. Allez. Tu vois, c'est aussi ça, être un bon coéquipier et un bon camarade. Savoir sentir lorsqu'il est temps de reprendre sa liberté et de laisser vivre son sort à celui qui a décidé de rester. Il me restait bien 300 bornes à faire, mais ça ne m'a pas provoqué d'état d'âme particulier. J'ai fait le boulot, en me concentrant sur l'essentiel, piloter. Ouais, enfin, il n'a pas fallu non plus traîner dans le bac à sable. Pourtant, sur la piste, il y a un truc qui m'a quand même traversé l'esprit et que j'ai jamais dit à Amaury. Je sais pas pourquoi, mais je le soupçonne sincèrement d'avoir fait exprès de ne pas avoir trouvé la panne. Histoire de vivre encore un peu plus de galère. J'ai vite chassé cette idée et devine qui j'ai trouvé sur mon chemin. Ouais, Enders, encore et encore, à la recherche de sa mystérieuse panne, cette fois-ci assistée par Taro Mizutani. Et oh, les gars, faudrait voir à pas nous piquer notre boulot, hein. En même temps, pour ce que j'y connais, c'était peut-être mieux comme ça. Salut Enders. On a encore des problèmes. Toi, Rally Red, ça peut être des galères sur galères sur galères. Maybe you can rest in the... Under the tree. Yeah, I will. Okay. Are you ready, Taro? Okay, we go. Let's go. I hate sand. I love it at the beach. Yeah. Honnêtement, même si Enders venait de renoncer à trouver la panne, je ne sais pas comment il faisait pour rester aussi calme face à tant d'adversité. Allez, plus que 278 km de sable. Par cette chaleur étouffante, dans ce sable hyper mou, ça risquait d'être long, et même très long. J'ai pourtant décidé de ne rien concéder à notre mission de Saint-Bernard. Arigato. Domo arigato. Là, j'avoue que Taro m'a un peu cueilli à froid. Why are you so tough? Sorry? You are so tough, why? Revers et fond de cour. Sorry? You are so tough. Avec son improbable question. Tough, strong. No. And no. Good at riding and always calm down. No, always smile. This is good for life. J'étais tellement surpris que je lui ai fait répéter la question trois fois. Et que je me suis retourné pour voir si Amaury n'était pas juste derrière moi. Un vrai putain de dilemme, je sais que si je reste là, je vais y rester. Thank you.
j'ai pas tardé à retrouver Taro. Je vais être franc avec toi, j'avais pas très envie de me refaire un coup de camion balai. Alors quand Taro m'a dit « À go !» j'ai flanché. « À go !» J'étais vraiment honteux de laisser Taro sur le bord de la piste, mais... Suivre un cap reste un exercice très compliqué dans les dunes. Tu dois composer avec leur forme, leur hauteur, leur façon de s'enchaîner, bref, zigzaguer entre les dunes, alors que ton objectif est de suivre un cap bien droit. De temps à autre, le roadbook et la Mauritanie t'offrent un peu de terrain plat et dur, dont je profite. Au loin, j'ai repéré l'Italien, Giuseppe Pozzo, en galère d'alimentation d'essence. Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? C'est comme la... deux jours... injecteur ? Non. Ah. Je n'ai pas l'injecteur. Je ne sais pas s'il a la gasoline... Qui arrive ? Qui arrive. Elle a coupé net. J'ai changé le filtre. Ouais. Ok, ici. Mais, oh, c'est ça la... Et plus de puissance. Fini la puissance. Non, la puissance... la puissance, fini. Pour moi, la même chose avant-hier, injecteur. Elle démarre, mais quand tu veux du gaz, fini. Cette matin... Sans rien à faire, ouais. C'est parti. Bon, en même temps, c'est un peu le principe de la panne. Avant que ça tombe en rade, forcément, voilà. Ça marchait. J'ai fait 160 km et panne d'injecteur. Là, seulement une question et depuis, tu peux aller. C'est ça, c'est un collégament que nous avons fait parce que nous pensons, cette matin-là, qu'il y avait un problème à la pompe. Ouais. Donc tu l'as branché en direct. Yeah, exact. Putain, mais j'ai juste... J'en reviens pas. Ouvre. Ça consomme beaucoup en direct. Hein. Ça consomme beaucoup. Bon, reste qu'à partir de là, je ne me suis jamais senti aussi inutile. Non, une crevaison, un embrayoir, je veux bien, mais là, je sèche. C'est la dernière fois, tu m'entends bien, c'est la dernière fois que je prends le départ d'une course sans tout savoir d'une moto. Et c'est ça. Si je ouvre. Pour le brancher sur l'autre. Ok. Pour moi, il n'arrive pas le gasoil. J'ai quand même bêtement tenté de répéter ce que j'avais entendu quand Tamori dépannait Enders. Elle vient, mais c'est pas beaucoup, hein, parce que la pompe, c'est 4 bars. Hein. Et là, il n'y a rien. Allez, j'ai pas honte de le dire. Ouais, mec, je suis à ma limite. En voilà une belle et une vraie saloperie de journée ponctuée d'échecs. Daniel Corel. Amaury, Taro Mizutani, Giuseppe Pozzo. Je laissais derrière moi ces quatre frères d'armes sans rien avoir pu faire.
Je me suis vraiment battu pour sortir de cette immensité de sable. Mais je te jure que j'avais un sale goût d'amertume dans la bouche. Chaque cordon paraît toujours plus grand que le précédent. Voilà, il est balèze. Seul, j'ai rejoint le CP2, en faisant semblant de garder le moral. C'est trop haut. Ça a été gratté par les bagnoles et tout, là, c'est infernal. En moto, c'est un peu chiant. Et oui, tu risques de tomber. Donc, c'est pour ça que je fais signe de se mettre sur le bord. Ah ben, tu as bien raison. Si on peut s'éviter une galère. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Vous c'est pas mal. Allez, attends. Seul, je suis arrivé au camion essence. Où j'ai fait semblant, encore. Il y a de moins en moins d'activité ou je passe tard? Les deux, mon capitaine. Les deux un peu. Ouais. Il y a de moins en moins de concurrents aussi. Hein. Ouais, 12h45, c'est pas trop mal. Il me reste 200 bornes. Je vais te faire finir ce bidon. Vas-y. Faut que je rattache une sacoche à l'arrière. Faut que je mange un petit peu. Excuse-moi. Ouais, c'est bon. Avant de me confier un peu à la caméra, quand même. Bon. Plus le rallye avance, plus j'ai l'impression d'être un vrai concurrent. C'est chiant. Il n'y a plus grand monde derrière, ils sont de moins en moins nombreux. Ah, c'est vrai. Il en reste combien là maintenant en course? Je crois que derrière, il en reste après toi, si les calculs sont bons, 4. Et il y en a combien qui sont passés? 25. Donc on est une petite trentaine en course. Et du coup, j'ai plus. Tu vois, moi je suis là pour aider, du coup, j'ai plus l'impression d'être un concurrent à rouler comme un con maintenant. Si, moi j'étais là pour aider, alors il n'y a plus personne à aider parce que je suis derrière. Bon, faut dire que derrière ça avait pas l'air super simple à gérer. Les coordonnées GPS que nous avons ne sont pas logiques par rapport à nous avions vu la première fois le motard que nous ne retrouvons pas. Est-ce que tu peux me les redonner? Moi, j'ai géré ma pause d'un quart d'heure et je suis reparti en me fixant un objectif. Allez, je repars. J'ai remarqué un truc. En général, quand t'es en licence à 12h30, 13h, t'as toutes tes chances pour finir si tu traînes pas trop. J'ai bouffé du sable, de la dune. À la poursuite de galériens que je n'ai jamais rattrapés.
ne sachant plus très bien ce que cela faisait de moi. Une chèvre ou un traître. Seule la fin de spécial, incroyable en pilotage, aux côtés de Damien Deroc, est venue me sortir de l'ornière. À l'arrivée, les températures extrêmes avaient fait leur travail de sape. Même sur les finishers et leaders de la spéciale. Il est brûlé par le soleil. Il a 10 degrés de plus. C'est plutôt froid. À mon arrivée, le bivouac restait cruellement désert. 55 degrés. Il avait fait jusqu'à 55 degrés. Today was with the heat and hot. Yeah, very very hot. Especially after CP3, it was very very difficult. The off piste from CP3 with the camel grass and very very demanding, physically demanding, and with 50 plus degrees, it was really really tough. J'avais vraiment trop les boules. Car pendant ce temps-là, je savais qu'Amaury, un puissant, subissait la dure loi du rallye raid, le camion balai. Non sans avoir ramassé devine qui. Eh ouais, le Suédois Enders. Ok, yeah, I'm ok. Physically, I'm ok. Mentally, no. Same problem, believe me. Hey. Injection. Coucou, comment ça va? Hello again. Hello again, yes. Malgré l'heure tardive et la journée éprouvante, j'ai pas réussi à me résigner à aller me coucher. Bonne 3 heures. Il manque une moto, celle d'Amaury, qui coûte camion balai. Ça devrait pas tarder. Je te laisse le privilège d'entrer dans l'intimité de la belle famille du Rally Raid. Bienvenue à la maison! Bienvenue à Anders! Oh là 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 là
Ça va? Et toi? Nickel. T'as pas trouvé? Je pense que c'est la bougie, mais comme j'ai perdu ma clé à bougie. Tu es attendu au bar de l'hôpital. C'est vrai? Ah bah oui. Ils sont là-bas encore? Oui. Hein. Ah ouais? Ah bah enfin, écoute, oui, je pense qu'ils sont toujours au bar de l'hôpital. Pour une fois que je peux y aller. Alors, ne rate pas ça. Non, je rate pas ça. Allez. Contact Mi avec un voyant défaut, mais genre 47, je sais pas combien. Et merci encore. Elle a... ouais. C'est pas l'injection, parce que ça fait. Non, non, mais enfin, c'est bon, ouais, ouais. Elle a pas merdé, rien. Allez, va voir un canon. Je vais faire quand même. Il faut que je prenne des affaires. Hein. Oui, mais attends. Je pense que c'est la vie. Je suis au capteur. Ça va, Peter? La vie est belle, Peter? Hein? Ça va? Dominique est là-bas? Dominique, super. Super. Dominique, il est où? Tout. Hein? Là-bas, est tout. Le médical. Ah, bah alors, j'y vais. Ah, là, est Dominique. Ah, c'est à moi. Ouf, femme. Oui, on peut regarder le mètre. On va sortir, on regarde sur le moteur. Oui, on va sortir sur le moteur. Ouais, sur le moteur. Bon, c'était juste le fil. Ouais. Il a à peine touché le chou qui est parti. Comme une allumage. Je suis derrière. Si ça avait été la bougie, je m'en serais trop voulu de ne pas avoir pris la clé. Bon, bah voilà. Juste un petit fil sur la bobine d'allumage d'Amaury, c'était que ça, mais bon, faut le trouver pendant que Enders change son moteur. La franc vouloir. You're changing the engine again? Change the engine? Yeah, but not again. I have not changed it yet. In this rally. Ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours à manger à n'importe quelle heure. À manger du sable dès demain. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around. So much